Monsieur le Président de la Réunion gouvernementale, Monsieur le Président du Conseil, représentant, Monsieur le Président du Rôle, Mesdames, Messieurs les consuls, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le représentant du CUP, Monsieur le Président de France, cher Frédéric Ancien, Monsieur le Président du CUP régional, cher Frédéric, Monsieur le Président régional, cher Frédéric Messieurs les rabbins et présidents de la communauté, Mesdames, Messieurs, chers amis. En ce jour solennel, je mesure vraiment l'honneur et le privilège qui sont les miens de vous accueillir nombreux pour la cérémonie d'intronisation de notre grand rabbin régional, Daniel Tahan. En présence d'un nombre aussi important de personnalités du grand rabbin de France, président du Conseil de France et accompagné des rabbins et des présidents de communauté que je salue très respectueusement. Il s'agit aujourd'hui de signifier en quelque sorte une union, je dirais bien, à Marseille, celle du grand rabbin régional avec sa communauté, notre communauté régionale Auvergne. Vous avez sans doute Daniel Tahan a été élu le 17 mai 2020 et cette année restera marquée par la pandémie et son cortège de restriction et de deux confinements qui ont retardé l'organisation de cette cérémonie. Mais elle a lieu aujourd'hui et j'en suis extrêmement heureux. Je tiens ici à saluer et à vous remercier sincèrement le grand rabbin Richard Berger, qui vous a précédé dans cette mission. Monsieur le grand rabbin, par votre investissement au service de notre communauté durant plus de 4 décennies, vous avez accompli votre mission avec persévérance. Combien d'offices, de cérémonies et de temps forts avez-vous organisé à Lyon et dans les autres villes? Je vous souhaite une retraite heureuse et heureuse. Je suis particulièrement heureux de vous prendre aisément d'avoir programmé cette cérémonie en ma qualité de président de l'histoire publique régionale, d'autant que c'est lui qui s'agit d'une grande première depuis 45 ans, c'est dire l'importance de ce moment pour notre communauté régionale. Une communauté que vous connaissez bien, monsieur le grand rabbin régional, puisque vous êtes né pas loin à Annecy. Votre famille, originaire du Maroc, de Fès précisément,
installé sur les bords du lac Clarisse. Ville où vous avez vu le jour en 1972. Ah, ça tombe. Votre parcours et tous ces grands rappels témoignent de votre attachement à la communauté et à notre précieux héritage. Après l'école d'abondance de Paris et l'obtention d'un diplôme de l'école pratique et hautes études, vous rejoignez la Yeshiva de Lille à Jérusalem, la plus grande Yeshiva du monde qui compte pas moins de 6 études. De retour en France, nous présidons et dessinons la communauté de Nancy-Lorraine durant 2 décennies. Et je salue la présence du président Alain Louvert de cette belle communauté. Puis vous voilà à Valence. Puis vous voilà dans la communauté Aix-en-Provence de 2014 à 2020. Et j'espère que son président, cher Dana Miage, ne m'en veut pas trop d'avoir débouché sur une porte à main pour le faire venir et bien admirer. Tout au long de ce beau et riche parcours, vous exercez également notre mission qui vous permet de côtoyer le grand rabbin du monde. Vous êtes membre du comité exécutif dominical du consistoire de Paris et du consistoire central de France et aumônier des armées. Au cours de votre carrière, vous avez eu l'opportunité de rencontrer quelques personnalités et de cheminer avec elles. Le grand rabbin Emmanuel Chouchina, historien général, ou encore le professeur Raphaël Jolivet. C'est d'ailleurs sous la direction du nouvelier professeur et politologue que vous avez présenté une thèse de doctorat en droit privé sur le statut de la femme dans le journalisme qui sera publié. Très proche du professeur qui nous a assisté en 2015 et de sa famille, vous avez initié un colloque annuel qui porte son nom. Depuis votre arrivée à Lyon, monsieur le grand rabbin, nous avons eu l'occasion d'échanger souvent et longuement, et je me réjouis de voir avec quel enthousiasme, quelle énergie et quelle compétence vous avez débuté votre mission. J'ai eu tout le loisir d'apprécier vos nombreuses qualités et votre sens des relations. Vous avez déjà su nouer des liens très forts avec les responsables et les fidèles de la communauté, avec une volonté affirmée de chaleur. Votre connaissance talmudique a pu s'exprimer à de nombreuses occasions et avec divers interlocuteurs. En votre qualité de grand rabbin, vous entretenez des relations amicales avec nombre de vos confrères en France et leur présence. Nombreux aujourd'hui témoignent de la qualité de ces liens. Ils sont venus de toutes les régions du pays pour vivre avec vous cette cérémonie solennelle. Parmi les projets sur lesquels vous travaillez, permettez-moi de citer le pôle de synergie qui nous permettra d'accompagner les communautés, notamment les outils informatiques, le site internet, les grands rabbinats, ou encore un agenda centralisé pour planifier les actions et les événements des communautés. Vous m'avez apporté, monsieur le grand rabbin, un soutien précieux pour développer l'Institut culturel du Judaïsme, qui a ouvert ses portes il y a juste quelques semaines et qui rencontre un vrai succès auprès des communautés. Je voudrais vraiment profiter de l'occasion que vous m'avez donnée pour remercier très chaleureusement toutes les institutions publiques qui ont favorisé par leur encouragement et leur subvention la réalisation de ce projet, et plus particulièrement l'étape représentée par le sous-préfet et notre ami Laurent Bouquet, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi M. Gérard Collomb, alors maire de Lyon au moment de notre projet. Et puis, nous allons continuer à construire pour le futur de la communauté juive. Nous n'allons pas nous arrêter là. Et je suis certain que ce sera avec les encouragements du président du consistoire central, Joël Mercure, qui a été aussi un bâtisseur pour notre communauté avec la construction de ce magnifique centre européen du judaïsme à Paris. En effet, nous avons maintenant à Lyon un projet ambitieux avec la création d'une école professionnelle juive sous l'égide du consistoire. Cette école viendra compléter
l'offre composée depuis plusieurs décennies par les deux établissements de Villeurbanne. Pour de nombreuses familles de l'agglomération, une nouvelle opportunité leur sera offerte de faire évoluer leurs enfants dans un cadre correspondant parfaitement à leur souhait. Je ne peux conclure mon propos sans saluer avec respect votre épouse Myriam, qui vous accompagne et vous soutient, ainsi que vos enfants et petits-enfants, et tous vos amis et votre famille présents aujourd'hui. Sachez, monsieur le grand rabbin, que nous serons à vos côtés pour vous permettre d'accomplir votre tâche dans les meilleures conditions, pour vous et dans l'intérêt de nos 29 communautés régionales. L'ensemble du conseil d'administration du consistoire et tous les responsables des communautés de notre région se joignent à moi pour vous adresser nos vœux sincères de réussite et pour vous remettre comme symbole de notre mariage sous la tête du consistoire. Merci à vous et Mazal Tov. Adonai, oh,
Maintenant, M. Joël Merli, président du Saint-Histoire central. Monsieur le directeur de cabinet, monsieur le président de la région, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des cultes, monsieur le grand rabbin de France, monsieur le rabbin, monsieur le rabbin, Dakar, rabbin de la synagogue, monsieur le président de l'histoire régionale, monsieur le président de la synagogue, mesdames et messieurs les représentants des différentes communautés, 29 communautés de la région et puis ceux qui sont venus d'un petit peu plus loin pour honorer. Monsieur le grand Daniel Daran, dans, je vais dire sa prise de fonction, puisqu'il a pris ses fonctions déjà plusieurs mois, et dans ce moment solennel, important, pour vous, monsieur le grand rabbin, et pour la communauté juive, et pour la société française aujourd'hui. J'ai le bonheur d'être ici avec vous une nouvelle fois. Après être venu dans cette grande synagogue de nombreuses fois, c'est dire au fur et à mesure des différentes rencontres avec la communauté lyonnaise, avec cette grande synagogue, la dynamique de cette belle communauté. J'ai pu venir avec mon ami Marcel Dreyfus lors des différentes étapes des travaux, de la réalisation, de l'embellissement de la synagogue, et puis venir pour l'introduction. Le rabbin Malka, qui est plus honoré le rabbin Bernstein, et puis je ne sais pas, il y a eu tant d'occasions. Et pourquoi je les rappelle? Je les rappelle parce que je le dis aux élus qui sont là et aux représentants des cultes, de façon générale, notre communauté juive, notre communauté ne cesse d'avancer malgré les difficultés que nous avons pu rencontrer ces dernières années. À chacune des étapes de notre histoire, on s'interroge. On s'interroge sur notre avenir, parce que c'est constant. On s'interroge un peu plus sur notre avenir ces dernières années. Et on a toujours la bonne réponse. On continue à réviser, à bâillonner, à entretenir notre patrimoine et à transmettre. Et je lui dis régulièrement, aussi longtemps que les élus représentent dans leur diversité le pouvoir public, la société, l'État sont à nos côtés. Je le dis à la communauté qui parfois s'interroge. Légitimement, notre devoir, c'est souvent tant que les élus du pouvoir public sont à nos côtés de continuer à bâtir notre avenir. J'aime le symbole de cette semaine, c'est celui de la paracha de Noah, celle de la construction de l'arche de Noé. Par contre, au début, c'est un symbole que j'ai toujours aimé dans ce que nous faisons nous-mêmes. Nous sommes souvent en étant au début. Et ces dernières années nous ont montré les difficultés environnementales. Bien, monsieur le grand rabbin, messieurs les présidents, messieurs les rabbins, je vois dans notre mission la responsabilité permanente de rassembler la communauté à chaque fois que nous attendons le début. À l'intérieur de ce qui peut représenter l'arche de Noé, c'est-à-dire de l'os. Et après, c'est à nous de décider où nous irons. Mais dans ces moments précis, je crois que notre responsabilité, la responsabilité des dirigeants de la communauté,
Votre responsabilité, Monsieur le Grand Rabbin, l'accompagnement de votre épouse, de votre famille, du président, de toutes celles et ceux qui nous entourent, c'est de tout mettre en œuvre pour rassembler à l'intérieur de cette belle synagogue et des différentes synagogues de la région, avec la coopération des différents rabbins, des différents présidents, bien entendu, de rassembler vers notre identité les juifs qui sont à la recherche de leur identité, ceux qui veulent la construire, ceux qui veulent l'approfondir, ceux qui veulent la bâtir, ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient moins en Dieu, ceux qui ont envie de ressentir un moment de judaïsme, ceux qui ont envie de le ressentir de façon permanente. Et c'est, je crois, ce qui motive depuis des décennies, des siècles, notre institution consistoriale et à travers le monde, ce qui motive l'ensemble des dirigeants communautaires. Quand on crée une culture communautaire, une synagogue, c'est effectivement pour que ce soit un lieu de rassemblement des juifs dans leur diversité. Alors, je crois que ça n'est pas une terre plus longue, mais on est dans un monde où l'antisémitisme devient un presque une règle, où l'antisémitisme renaît, où les attaques à la liberté de culte sont de plus en plus fortes, et où, je dois le dire ici devant les représentants d'État que je faisais pour la plupart personnellement, je voudrais aussi vous remercier, parce que à chacun des moments, ou personnellement dans ma mission présente en histoire, et où l'ensemble des responsables de la communauté ici ont fait appel à vous, vous avez été présents. Et je crois que c'est un élément fondamental de la construction de notre décision de croire en notre avenir. Je pense que si à l'instant, mon consistoire régional est impliqué dans un nouveau grand projet, c'est parce qu'effectivement, par votre présence, par votre accompagnement, parce que vous avez fait ici, ailleurs, et de façon permanente, vous avez donné envie de croire en notre avenir. Alors je crois que, en m'adressant ici de façon collégiale à l'ensemble des responsables des communautés, à l'ensemble du corps rabbinique présent au grand rabbin de France et au grand rabbin régional, à l'ensemble des décideurs, nous avons ensemble le devoir de continuer. Et je le dis aux élus, plus il y aura de projets qui nous seront présentés par la communauté juive, et plus ça voudra dire que la communauté juive va bien, et si la communauté juive va bien, dans une région, dans un endroit, c'est que la société va bien. Le jour où dans une ville, les juifs ne viendront plus proposer des projets, c'est qu'on devient dans un territoire qui commence à être perdu pour la République. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra s'interroger. Alors ne paniquez pas quand il y a des projets qui sont proposés. Au contraire, sursauter de bonheur, cela veut dire que le judaïsme se porte bien et il n'y a pas d'endroit au monde où le judaïsme se porte bien et où la société se porte mal. Ça n'existe pas. Alors voilà ce que je voulais vous dire. En encourageant bien entendu le grand rabbin Daniel Tahan, les qualités ont été rappelées. Je connais personnellement depuis tant d'années, je vais raconter plus tard. Et j'espère se retrouvera beaucoup de fois ici. Mon fils était étudiant à Metz, et celle qui allait devenir sa future épouse était étudiante à Nancy, pendant que le grand rabbin organisait avec Alain Lefebvre des repas pour les étudiants à Nancy. Et donc, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés un Shabbat sous votre égide et qu'ils sont aujourd'hui mariés et qu'ils ont deux enfants. Donc, je souhaite que ce type d'initiative, celles qui feront la beauté d'une synagogue, et je dis aux élus, parce qu'il faut que vous m'aidiez à ce qu'on ne catalogue pas une synagogue comme simplement un lieu de culte, on ne peut pas aider. Une synagogue, c'est un lieu de vie, c'est un lien de rassemblement. C'est un lieu d'espoir, c'est un lieu d'éducation, c'est un lieu d'éducation à la citoyenneté. C'est de nos synagogues que des citoyens exemplaires naissent, et puis aussi que des bébés finissent par naître, quand ils se rencontrent dans nos synagogues des personnes qui ont envie de se connaître, de s'aimer et de vivre ensemble. Alors voilà ces quelques paroles d'encouragement, M. Morama. Je sais, parce que vous avez un parcours derrière vous, et puis même si on a voulu vous rajouter quelques années de plus, vous avez encore un long parcours devant vous pour continuer à œuvrer au service du judaïsme de la région.
donc au service du laïc français et donc au service de la France. Merci. La prière pour la République, prière qui est récitée chaque samedi matin dans les synagogues consistoriales de France, sera récitée par le rabbin de la communauté, ici au Malta. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. Bénis et protège la République française et le peuple français. Que la France vive heureuse et prospère. Qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde et conserve son rang glorieux au sein des nations. Éclaire ceux qui président au destin de l'État afin qu'il fasse la liberté de notre pays, la paix et la justice. Que l'Éternel accorde sa protection, sa bénédiction à nos forces de l'ordre, à nos soldats qui s'engagent partout dans le monde pour défendre la force et ses valeurs. La force morale, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout temps et en tout lieu le droit et la liberté. Accueille favorablement nos voeux et les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur qui passent devant toi, ô Seigneur, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. J'appelle maintenant le grand rabbin de France, M. Fayou Korska, à vous adresser quelques mots. Chers amis, toujours un moment émouvant de partager ce type de cérémonie, émouvant pour le rabbin qui est élevé à une fonction, émouvant pour la communauté, émouvant pour l'ensemble des participants, émouvant pour les rabbins. Yeah. Parce que c'est un moment de fidélité et de rencontre. Président Alain Seban nous a dit qu'en entrant, il y avait l'impression d'assister à un mariage. Évidemment, d'une certaine manière, c'est le cas. C'est en tout cas un partage de projets, un partage de futuré. Dans la Bible, on prononce ce modèle dans la Bible, lorsque Dieu veut trouver quelqu'un pour diriger son peuple, il choisit Moïse, qui a une particularité, c'est qu'il est berger. Et un berger, nous dit les commentaires, c'est celui qui donne à chaque animal dont il a la responsabilité exactement selon ses besoins. Et Dieu se dit, si cet homme, Moïse, est capable d'avoir autant d'attention chacune des brebis qui lui sont confiées, alors il sera s'occupé de mon peuple. De manière étonnante, d'ailleurs, le roi David aussi est là. Pour nous, en France, rappelons-nous même que Jeanne d'Arc aussi, un berger. Je ne sais pas si le grand rabbin d'Arc est berger, j'en doute, mais il a quelque chose de l'ordre du berger, au sens qu'il a capacité à s'occuper de chacun avec chacun de ses besoins et ses attentes. Et c'est ce qui m'a toujours marqué, c'est cette façon de s'engager, d'être dans une forme d'empathie qui peut servir de modèle à beaucoup d'entre nous dans Raminar. Non, Raminar n'est pas un métier, c'est un sacerdoce, une vocation, un homme, une femme politique ici, le savent. On sait que l'on passe sa vie en temps de travail, en temps de repos. On est toujours dans la rencontre. Dans la main, par nature, dans la main régionale, qui a la charge à la fois d'une communauté, mais qui a aussi la charge de diriger d'autres rabbins et qui a la vocation de parler à l'ensemble de la société. Car notez bien le titre,
souvent maintenant, et les grands rabbins de Lyon et de la région, nulle part, vous voyez marqué grand rabbin des Juifs de Lyon, lorsque j'avais l'honneur de servir le drapeau en tant qu'aumônier militaire, j'étais aumônier israélite désarmé, et non pas aumônier des Israélites désarmés. Ce n'est pas juste un débat sémantique, c'est que la République, grâce à la laïcité, la République nous permet, dans ce que nous sommes, dans ce que nous portons, avec notre diversité, et malgré nos prénoms qui peuvent parfois faire sourire, en tout cas le mien, en tout cas le prénom typiquement français, parce que mon prénom veut dire Rayon, qui veut dire la vie, et la vie, c'est une espérance profondément française. Et peu importe, avec nos prénoms, avec nos diversités religieuses, avec même la possibilité d'être athée et de porter un humanisme fort et prégnant, nous construisons ensemble la société dans laquelle nous vivons. Nous ne sommes pas, en tout cas dans cette synagogue, je sais que personne n'est un consommateur de la vie, de la société que d'autres construisent. Nous sommes des bâtisseurs. Ce que nous récitons à la fin de toutes nos prières ne parle pas simplement des bâtisseurs, parle des enfants, car les enfants bâtissent le futur, les enfants portent l'espérance. C'est aimer ses fidèles. Le rabbin, c'est aimer ses fidèles, aimer cette vocation. C'est mettre en œuvre des textes et les vivre concrètement. Ce n'est pas exactement penser ces textes et ne pas les porter. C'est faire vivre cette notion magnifique d'accueil. Le Talmud nous raconte dans la traité Sanhédrin que Timna veut absolument entrer dans la famille d'Abraham. Je vois Abraham, Abraham la rejette, Isaac la rejette, Jacob la rejette. Alors elle décide de devenir la copine du fils d'Ésaü. Enfin, Jacob, bref, même de loin, elle veut rentrer dans son pays. Et de l'union entre elle, cette Timna et les femmes du fils d'Ésaü, va naître le pire ennemi d'Israël, le pire, Amalek. Les commentateurs demandent mais pourquoi ? Simplement parce qu'on n'a pas su accueillir cette personne. L'accueil, c'est peut-être la chose que je demande le plus fermement aux rabbins. Tous les rabbins. C'est le bon signe, quelque part dans le principal. Il ne fait pas que vous engager à apporter ou à soutenir des projets d'un groupe, même si je vais parfaitement dans le sens de la mairie. Parce que lorsqu'on visite et je vous engage chacun et chacune à visiter l'Institut du Laïc qui a fait dans l'instrument, quand vous voyez cette réalisation, vous vous dites, mais c'est extraordinaire le nombre de classes qu'on peut initier à la connaissance de l'autre, parce que c'est par la connaissance qu'on casse le préjugé. Donc soutenir ce projet, ce n'est pas aller contre la laïcité, c'est au contraire aller dans le sens de l'enseignement, de l'éducation, de la connaissance qui amène toujours à la reconnaissance et au partage de fraternité. Oui, justement, vous dites peut-être la chose la plus importante pour nous aujourd'hui. À deux reprises, Moïse dit au peuple, Al-Tiraou, n'ayez pas peur. Moïse le dit devant la mer rouge, lorsque les choses paraissent infranchissables. Moïse dit, n'ayez pas peur. Une voix s'ouvrira. Et Moïse répète au peuple, lorsqu'il reçoit la Torah, reçoit la parole de Dieu. Et le peuple se sent écrasé par cette mission. Et Moïse leur dit, Al-Tiraou, n'ayez pas peur. Peut-être la fonction première d'un grand rabbin, de rassurer sa communauté, de leur ouvrir des possibles, de leur ouvrir des voies, de leur ouvrir l'espérance de la conjugaison des efforts et des qualités de chacun. Il n'y a pas de segmentation dans le pays entre les uns et les autres. Il y a simplement le désir de faire fonctionner ensemble. Personnes qui servent sont différentes, mais qui produisent de l'unité. C'est l'un des enjeux majeurs de la société aujourd'hui, bien au-delà de la conflit. C'est de ne pas confondre l'uniformité et l'unité. L'uniformité, c'est tous les mêmes. En général, j'ai eu l'honneur de servir mon sous-bosseur. L'uniforme pour porter militaire, vous savez mieux qu'il compte ici, n'est jamais identique à celui qui compte à la même unité. Il y a des décorations différentes, il y a des théâtres d'opérations différents. Les uniformes, on leur indique qu'ils sont uniformes, ils sont tous différents. L'unité, ce n'est pas l'uniforme. L'unité, c'est les différences que nous mettons ensemble. C'est le projet d'une société qui anime la République, qui anime ce que le judaïsme porte depuis toujours et qui apporte comme écho à la construction de cette société d'aujourd'hui.
Mon cher Daniel, je parle de Moïse et je pense que chacun est inspiré du souffle qu'il a ventilé dans l'interprétation de la Torah. C'est-à-dire un texte magnifique. On dit, lorsque nous n'arrivons pas à faire quelque chose, pas pour nous que pour Moïse, c'est ça. Alors nous aussi, on pourra le faire. Tout le connaisseur dans cette synagogue magnifique, je voudrais rappeler la mémoire de le rabbin Nadan, il a servi longtemps. Je voudrais rappeler la mémoire, je ne sais pas si les anciens se souviendront sûrement, de Maurice Habermann, qui était votre mentor. Il est décédé l'année dernière. J'ai eu son épouse en disant, je m'appellerai ça de moi ici parce que lorsqu'on occupe la fonction qu'il a été maintenant, on porte aussi tous ses rêves. Tu es celui qui, maintenant, avec le président du comité, avec les rabbins, avec Dayan, tu es celui qui va être chargé de donner vie à tous leurs rêves. Max Scott, c'est une chose magnifique, disait le chemin le plus direct du point A au point B n'est pas la ligne droite, c'est le songe, le rêve. Je suis persuadé que tes lointains prédécesseurs, tous ceux qui ont animé cette synagogue, ont rêvé d'un moment possible où l'ensemble de la cité, toute sensibilité réunie, porte un regard au fond serein sur la vie. C'est ce qui fait la force de Moïse. Moïse a confiance en Dieu. Et regardez la force de Moïse. Cette force est extraordinaire. Mais lorsque Moïse est faible, que fait-il? La Bible nous le raconte. Son frère Aaron, en beau frère, vient et lui tiennent les mains chacun d'un côté pour qu'il garde les mains levées, que le seul l'emporte. C'est-à-dire que la force et la grandeur de Moïse, ce n'est pas d'être le plus fort, c'est de savoir s'appuyer sur lui, savoir fonctionner en équipe. Aaron, ce sont les présidents, les administrateurs des comités, les rabbins, ce sont les fidèles. De cette façon, Moïse a trouvé déjà quelque chose d'extraordinaire, la guérison. Moïse sort, il sort, il va vers ses frères. On parle de Moïse, mon personnage, le personnage préféré dans la vie, c'est Joseph. Parce que Joseph dit une chose magnifique, il dit être affaire à notre premier bagage, ce sont les frères que je cherche. Cet enjeu majeur pour la société de la fraternité. Joseph l'a fait dire. Et c'est cette fraternité, quand on en va, à en particulier la charge. Comment faire en sorte que chacun et chacune, et quelque chose à porter, et donc se trouve en fraternité, c'est-à-dire en communion. Oui, nous avons besoin de chacun et de chacun pour que la mission, la vocation puisse s'exercer ici, comme partout ailleurs en France. Avec Daniel, nous connaissons depuis longtemps, nous connaissons le centre d'intérêt historique dans la région sera fermé. Une région de mémoire. Très heureux d'ailleurs de saluer Mme Bouquier, l'ancienne maire de Chambon-sur-Léon. Vous connaissez la tendresse respectueuse. Très grave, il faut savoir que votre fils en est un peu jaloux, mais il n'avait pas répété une solution. Mais ce legs de mémoire, bien sûr, pensons à la maison de Dieu, pensons à Dieu le Fils, tout ce qui dans cette région, touche à la fois à la mémoire et à la capacité de nous projeter malgré tout, dans le futur. Il y a là quelque chose d'unique. Par exemple, on pourrait l'invoquer il y a quelques instants, du monument, j'espère, prochainement, parce que je sais que l'État est sensible, il s'agirait juste de faire en sorte que tous les partenaires le soient. Et là, il ne s'agit pas d'argent. Là, le président. Gérer de manière magnifique, c'est juste de volonté. Ce monument, c'est une façon de dire quelque chose de très important à la société de Dieu, que je voudrais vous symboliser en un geste religieux que nous accomplissons tous les ans. Avant, Rosh Hashanah, il y avait exactement un an.
Pour le Nouvel An, vous le savez, nous consommons de la pomme trempée dans le miel. Pourquoi? Pour que l'année soit douce. Moi, je pose la question, si l'année peut être douce en fonction de la douceur du fruit, prenons une tasse gorgée de miel, trempons-la dans le miel, et là, je vous dis, ça sera, au niveau de la douceur, bien plus doux que la pomme trempée dans le miel. Ce n'est pas ce que nous demande la tradition. La tradition demande de tremper une pomme qui, par nature, est acide, parfois même amère. Et c'est avec cette amertume, ou malgré cette amertume, malgré cette acidité, nous allons la tremper dans le miel et rendre cette difficulté, y compris le poids des morbières. Nous allons faire quelque chose de doux, c'est-à-dire quelque chose qui tisse du lien. Quelque chose que nous allons partager. Ça nous a du sens sur la mémoire. Et je vous assure, sur la mémoire, cette région a une charge mémorielle immense. C'est aussi la vocation de faire en sorte que ça puisse se transmettre. Que l'Église le disait tellement justement, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Et il s'agit de ne pas absolument la trahir ce que nos anciens ont légué. J'aime quelque chose de Jésus, Saint Daniel. Bien sûr, le plus cœur, problématique tellement actuel, la défense des femmes qui ne reçoivent pas leur guette. Nathalie Porchel disait tout à l'heure, non, il n'y a pas des marées des guettes qui sont. Ce sont des marées indignes. D'ex-marées qu'on a montrées indignes. Mais ce qu'a fait le grand rabbin d'un, c'est qu'il a donné des arguments juridiques religieux, et Dayanine en a un ça, tellement important pour pouvoir nous aider à résoudre. C'est une façon de considérer que tant que quelqu'un souffre dans la société, eh bien, nous ne pouvons pas rester sur nous. Et ce que j'aime le plus, je sais pas, mon cher Daniel, et j'aimais que le président Sedan le rappelle, c'est que tu as des maîtres. Je suis toujours méfié des gens qui n'ont pas de maître. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de limite. Tu as le grand enchantement. Tu sais l'importance qu'il y a pour moi. Et au séminaire, tu as appris l'importance du rapport à l'autre. Tu as le professeur Nain qui t'a enseigné l'histoire. Tu as appris la méthode de travail. Tu as le professeur Dre. Tu as appris cette convergence, à chercher cette convergence entre droit civil et le droit canonique. Seigneur, ça semble s'approcher du jour. Je voudrais, mon cher Daniel, vous ouvrir une petite introduction. Nous allons partager justement avec les élèves dans le pied et l'instant et mettre les conseils. Peggy, en 1911, écrit un livre incroyable. Ça s'appelle Les Porches du mystère de la deuxième vertu. Les Porches du mystère de la deuxième vertu. Malheureusement, on ne peut pas chasamer le titre d'un livre. Cherchez-le sur Google, si vous voulez. En 1911, il décrit les trois vertus théologales, foi, charité et l'espérance. Tout le monde considère que l'espérance, c'est la plus petite. Mais tout au long de mon propos, j'ai tenu à scander ce terme de l'espérance. Parce que Peggy nous explique que la foi, la foi, c'est normal que les hommes croient en Dieu, leur apporte tout. La charité, c'est normal qu'ils fassent du bien, puisque Dieu leur donne. Mais l'espérance, oui, l'espérance elle-même, celle qui compare, Peggy la compare à une petite fille, non pas qui est portée par la foi et la charité, mais qui soutient la foi et la charité. Bien, cette petite fille, d'une façon de ne pas s'enfermer dans le présent. Oui, il explique que l'espérance voit au-delà du présent. Elle est capable de se projeter avec innocence dans le futur. Voilà ce que je te souhaite, cher Daniel. Je souhaite faire comme Moïse, être capable d'aller vers tes frères. Je souhaite faire comme tous les prophètes, tous les patriarches, tous les matriarches, d'avoir chevillé au corps ce désir d'amener, d'accompagner, d'expliquer, de convaincre en respectant l'autre, ce que tu as fait de manière formidable dans tous tes postes. Je voudrais conclure en disant, regardez qui est là, certes, c'est le ciel, mais il y a là des personnes qui t'ont accompagné dans tous tes postes précédents.
l'ancien Hazan de Nancy, avec tout avec bonheur, maintenant un centre de Dieu. Bref, il a toujours été moi, il était même à mon installation officielle à Reims. C'est vous dire que là, on en avait retiré là maintenant une bonne trentaine. C'était un bonheur de l'entendre avec toujours autant de soucis. Président de toutes les communautés sont là. C'est-à-dire que tu as laissé une trace comme un manque pour un appel. Je te souhaite, dans cette belle et grande communauté que le réunion de la région, de laisser cette trace qui est, au fond, ce qu'on peut faire de plus beau, car au-dessus du couronne et du titre, il y a la couronne du chef-top, du renom, tu l'as déjà acquis, mais la voilà maintenant, maintenant que tu es encore sur ta tête, et tu es toujours couronné de succès. Que ta famille l'accompagne dans son bonheur, dans son charme, avec réussite, joie et bonne santé pour tout le monde. Et permettez-moi de vous dire, de la même façon que votre grand rabbin va vous accompagner, accompagnez-le, soyez avec lui, soyez capable de le porter les bras lorsque on a la vie, c'est venu, lorsqu'il vous dira maintenant j'ai fait, maintenant c'est à vous de faire. Bien, c'est exactement ce que je vous dis, c'est à nous de faire. Peut-être qu'on pourrait conclure en disant, certes, on intronise un grand rabbin de la région, mais on intronise autant de responsables de cette élévation politique, c'est ce que je vous souhaite. Adonai, Adonai.
To listen to her. Yes.